Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un livre de coloriage. Bon, c'est peut-être un livre que vous avez déjà vu passer plusieurs fois sur YouTube, que vous avez déjà peut-être eu dans les mains. C'est un joli livre. Alors, le titre, ne me demandez pas de le répéter. Parce que c'est en néerlandais. Bon, allez, je me lance, j'essaye. Juvelanskistje. On ne se moque pas. On ne peut pas se moquer. Bon, allez, on va dire que c'est Anna Carlson. Voilà, c'est plus facile. C'est l'illustratrice. Donc, c'est celui-ci que vous devez connaître. Donc là, c'est l'édition néerlandaise. Et c'est l'édition, alors, MUS. Donc, vous savez que quand on a l'édition MUS, c'est vous êtes sûr d'avoir un très beau livre. Niveau papier, voilà, c'est... Vous avez un excellent papier, très épais, couleur un peu ivoire. J'en ai déjà un comme ça de Maria Troll. Et c'est vrai que c'est d'une excellente qualité. Voilà. Donc, j'ai rien à redire là-dessus. Là, on peut s'éclater dessus sans problème. Donc voilà. Alors c'est mon premier Anna Carlson. J'en avais pas encore. J'ai dit allez, je me lance. Donc celui-là, je vais vous le montrer en vidéo. Voilà, je vous montre derrière avec la petite souris. Je vais vous montrer les dessins, bien sûr, face bureau, après. J'aime beaucoup. Bon, il y a un ou deux dessins qui, bon, peut-être qui vont, que je ne ferai pas. Mais sinon, je les aime tous beaucoup. Voilà, les personnages sont vraiment très jolis, très féeriques. Il y a quelques animaux. Il y a quelques dessins qui font de la pleine page. Comme je vais plutôt appeler ça en papier peint, voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est un peu féerique, c'est un peu extraordinaire. Il y en a vraiment que... Voilà, c'est comme celui-ci. Vous voyez, il y a du boulot dessus, mais une fois fini, je crois qu'il sera vraiment très joli. Voilà. Donc, je vais vous laisser regarder en face bureau les dessins qu'il y a dans ce livre. Il y en a, alors je n'ai pas compté. Alors, est-ce que c'est marqué combien il y a de dessins? Je ne pense pas. Alors, ce n'est pas écrit en français, donc ça ne m'arrange pas. Là, je vois marqué 96, donc c'est peut-être, non, 96 pages, donc, ouais, il y a à peu près 90 dessins, 80, ouais, il y a dans les 90 dessins dans ce livre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il n'y a pas de double, hein, ce sont tous des dessins uniques. Alors, ce sont des dessins recto-verso, mais je vous dis, les papiers sont vraiment bien épais.
Donc, il n'y a pas de problème de comment que ça transperce. Bon, je ne parle pas des feutres alcool, hein, bien sûr, qui eux transpercent tous les papiers. Hors feutre alcool, je vais parler même de l'aquarelle. Là, vous pouvez en faire dessus, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez y aller. Aquarelle, les pastels, les crayons de couleur. Vous pouvez vous éclater avec. Et moi, je crois que c'est ce que je vais faire aussi. Bon, je ne vais pas le faire tous les jours, hein, parce que vous savez que j'ai d'autres livres. Donc, mais de temps en temps, j'en ferai. Et on verra ce que ça donne. J'ai la voix qui part en sucette. Donc voilà. Et justement, j'ai fait un peu de place parce que je disais, mince, j'ai plus de place sur mon bureau coloriage. Ici, c'est juste la place coloriage. Et donc, j'ai fait du rangement. Faudra que je vous refais une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je vous ferai une petite vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous refais une vidéo de mon bureau coloriage. Voilà. Ou pas. Pourquoi pas? Ça se peut, hein, que ça ne vous intéresse pas. Là, je réfléchis à comment je pourrais. Je réfléchis à mettre peut-être une étagère, pour commencer à mettre mes livres, parce que je les veux près de moi et j'ai pas la place, sur les côtés pour mettre l'étagère. Donc là, je réfléchis comment faire, mais bon, je vais trouver. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon, j'ai toujours pas reçu la trousse à crayons qu'il me manquait. C'est marqué dans les commandes. Ils m'ont écrit quoi, 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 quoi. Entre le 17 juillet et le 27 juillet. Donc voilà. J'attends toujours cette trousse. Moi, je ne sais pas d'où elle vient. Mais bon, c'est rien. Quand elle sera là, je vous la montrerai. Oh, j'ai les yeux qui piquent. Allez, je vous laisse regarder face bureau. On ne sait rien. C'est Géry qui fait son lit dans son panier. Je vous laisse maintenant regarder face bureau les jolis dessins de ce livre. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage. Ah oui, et je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver ce livre. Allez, bisous.